L'histoire de Saint-Louis est assez intéressante dans la mesure où Saint-Louis est le fruit de son interland. Cet interland était donc majoritairement Wolof, Fula, mais aussi Maure de la Mauritanie. Bambara, quand on va plus loin à l'intérieur des terres, Mandeng, et aussi la rencontre entre les populations noires de Saint-Louis notamment et les Européens et les Arabes. Avant c'était les Arabes, enfin les Arabes berbères, les gens du Sahara, les gens de l'Est et plus tard les Européens, les Portugais, les Français après eux, les Hollandais, les Anglais. Donc c'est vraiment un milieu multiculturel. Alors le rôle joué par les femmes extrêmement important, ce n'est pas seulement avec l'arrivée des Européens. La femme a toujours joué un rôle extrêmement important, en tout cas chez nous en Afrique de l'Ouest, plus précisément en Sénégal. Nous avons des femmes reines qui dirigent des États, qui dirigeaient des États. Même si elles n'étaient pas chef d'État, la mère ou la sœur du roi a toujours joué un rôle extrêmement important. On l'appelle Linger, en Wolof, plus puissante que le roi lui-même. Et qui sont à l'origine de grandes décisions. Alors, une fois à la rencontre avec l'Europe, ces femmes noires ont épousé des blancs. Parce que chez nous, la couleur ne compte pas. Par exemple, un blanc, chez nous, ce n'est pas seulement la couleur, ce n'est pas une question de couleur de la peau. C'est une question de culture et de comportement. Ces femmes épousaient de façon régulière et selon la coutume locale des hommes blancs. C'est pour ça qu'on parlait de mariage à la mode du pays qui se nouait à la mosquée, ce que beaucoup de gens ne savent pas. Et Pline de Pomegorge, qui a écrit sur Saint-Louis au XVIIIe siècle, disait que ces mariages étaient même plus solides que les mariages noués à l'église. Ce sont des mariages noués parce que les hommes blancs n'avaient pas le droit d'épouser ces femmes blanches. Ce sont des chrétiens, ils doivent se marier à l'église et c'est la monogamie. Et comme ils n'avaient pas le droit, ou en tout cas ils évitaient d'amener leurs femmes en Afrique, alors ils se mariaient au plan local. C'est comme ça qu'est née cette société mixte, multiculturelle, dominée bien sûr par les femmes, que l'on appelait signar. Le signar, c'est la déformation de senhora, ça c'est du portugais. Si vous étiez par exemple Refusque est plus vieux que Saint-Louis, si vous étiez à Refusque, disons au 16e, 17e siècle, vous trouverez donc il y a des blancs et des noirs, des musulmans venus de partout, même de la Turquie, des juifs. Et la principale langue, c'était la principale langue du commerce et des relations, c'était le Wolof et le portugais. Pendant très longtemps, la gouvernante de Rufus, c'était une femme, nommée Dona Catalina, qui représentait le roi du Cadjor. Alors pour revenir à Sénégal, c'est véritablement le point de départ de la société sénégalaise moderne. Je crois que c'est l'abbé Boala qui décrivait Saint-Louis comme centre d'élégance et du bon goût sénégalais. Il parlait ça de vieille ville française, le centre d'élégance et du bon goût sénégalais. C'est vous dire donc que Saint-Louis a joué un rôle extrêmement important dans la mise en œuvre de ce qu'on appelle la teranga sénégalaise. Donc l'esprit d'hospitalité, l'ouverture à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Saint-Louis a joué un rôle particulier aussi dans la mise en place d'un islam où l'érudition est extrêmement importante, l'éducation. Donc ce sont des intellectuels et qui ne font pas beaucoup dans le racisme ou le rejet de l'autre. Une société équilibrée, très accueillante. Et Saint-Louis a gardé d'ailleurs cet état d'esprit. Voilà. J'y ajouterais que Saint-Louis est aussi la capitale culinaire du Sénégal. Absolument, c'est le point de départ de tout ça. Ndargué, d'ailleurs, je crois que c'est l'abbé Boala qui a écrit, qui parle de ces Français donc, qui vivent à Saint-Louis,
qui le jour, il déjeune à la française et la nuit, il dîne au couscous. Ah. Donc tu vois. C'est comme chez nous. Mm-hmm. Donc ils ont des plats européens. Le jour et le soir, c'est le couscous, c'est-à-dire la cuisine africaine. Ça peut être aussi le carré, vois, et vice-versa. Donc c'est une société multiculturelle et c'est la raison pour laquelle, pour mieux comprendre des pays comme la Louisiane, il faut remonter, il faut retourner à l'Afrique à la source. La créolisation n'a pas commencé ici. La créolisation, donc, qui a généré ces cultures créoles hybrides, a commencé en Afrique, mais pas ici. Certainement à Saint-Louis d'ailleurs. À Saint-Louis, mais aussi le long de la côte, de, disons Saint-Louis, Rufisque, Gorée. Au Sénégal, pardon. Au Sénégal, le Cid, mm-hmm. par des villes comme Joal. Mm-hmm. Joal, je crois que tout ça. Parce que même dans Senghor, dans son poème Joal, il parle des signards à Gombe. Des signards, absolument. Exactement. Absolument. Ils étaient présents. Mm-hmm. Absolument. Nous avons une histoire tellement intéressante. Il y a une histoire. Tant à l'intérieur qu'au niveau des côtes. Mais je vous dis que c'est ce qui fait peut-être l'exception sénégalaise d'un point de vue ouverture, d'un point de vue stabilité dont nous bénéficions jusqu'à présent. Et pourvu que ça dure. Mais il faut véritablement que les gens apprennent aussi, qu'ils sachent quelle est la source tout cela de cette stabilité. Et c'est pourquoi l'importance de l'histoire. Oui, absolument. Même si vous écoutez nos marabouts, je dis les vrais. Les érudits, je ne parle pas de ces. Des businessmen. De ces marabouts, businessmen ou politiciens. Quelqu'un comme le défunt Cheikh Tidiane, quand tu vous parles du Sénégal et des Sénégalais, de Saint-Louis, de tout ça, mais c'est merveilleux. C'est absolument merveilleux. Ah, j'aimerais bien écouter ça. Parce que ah oui, absolument. Ben, tu peux me trouver sur YouTube. Moi, tous les soirs, j'écoute Cheikh Ahmed Tidiane. Donc, c'est la raison pour laquelle, bon, moi, particulièrement, je me considère comme quelqu'un, je me dis quelqu'un de fortuné. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir vécu avec plénitude la culture à l'intérieur des terres en tant que Foutanké. Et ensuite, l'école m'a amené à Saint-Louis pendant 7 ans, le lycée Charles de Gaulle, où donc j'ai appris. Donc, j'ai côtoyé, où j'ai vécu donc de la culture, avec plénitude la culture saint-louisienne. Ensuite, c'est Dakar, et voilà que j'atterris en Louisiane, au milieu de personnes qui me sont familières, des visages qui sont familiers. Une manière de marcher, de danser, de chanter qui est familière, mais aussi la nourriture qui est tout à fait familière. Je crois que l'éducation est un excellent outil pour ouvrir les cœurs, pour permettre aux nations de se connaître. Et je crois que ce qui fait aussi la particularité des États-Unis, ce qui sent leur culture, ce qui rend leur culture si attrayante, ce qui donne à cette culture une force de pénétration extraordinaire, ce n'est pas les tomahawks, ce n'est pas les armes, c'est surtout la culture. Et si vous regardez ce qui est beaucoup attrayant dans cette culture, la plupart est née le long de ce fleuve. Tu vois, le jazz, le blues, le rock'n'roll, le zydeco, une manière de parler, une manière de se comporter. Tout ça, je crois, qu'a été introduit par ce fleuve. Sur la place.